Voilà. Je m'appelle Quentin, je suis développeur dans l'équipe ERP pour Octave. Je travaille sur la solution Unity, c'est la solution qu'on vend à nos clients. Je vais traiter les tickets d'anomalie principalement quand ils remontent par les clients, ou alors les évolutions qu'on nous a demandé, qu'on va devoir développer pour ajouter des fonctionnalités au produit et faciliter la vie des clients globalement. On travaille sous la forme de projet Scrum, c'est-à-dire qu'on essaie au maximum d'avoir des cycles de développement courts avec les clients. On a une cellule, la cellule recette, qui va effectuer des tests sur les évolutions qu'on fait. Le but, c'est d'avoir une version la plus stable possible, pour qu'il y ait le moins de litiges et que ça fonctionne pour le mieux, quoi. Alors moi, j'ai fait toutes mes études sur Angers. Je sors d'un master qui a été fait à la fac, un master 2 solutions informatiques libres. J'ai enchaîné dans une entreprise qui s'appelait Resis, qui était l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage de fin d'études. En fait, je suis resté là-bas pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai été muté en fait dans une autre entreprise qui avait le même directeur. Donc, c'est-à-dire que j'étais toujours dans les mêmes locaux, mais je travaillais pas pour la même société. Et je suis resté là-bas un an, mais comme c'est une entreprise qui est basée à Strasbourg, j'étais toujours en télétravail. J'étais toujours tout seul, en fait, j'avais pas assez de contact avec mon équipe. Donc ça me pesait un peu trop, donc j'ai décidé de partir. J'ai repéré un article du Courrier de l'Ouest qui disait qu'il y avait eu un job dating qui était fait ici. J'ai été intéressé, j'ai regardé l'entreprise, je suis tombé sur le site. J'ai été séduit par les valeurs, en fait, globalement, et puis j'ai postulé, voilà. Je suis papa, re-jeune papa, parce que j'ai deux petits garçons, là. Il y en a un qui a un mois et demi, donc c'est tout récent. Donc je suis bien occupé globalement côté privé, mais malgré ça, j'ai quand même le temps de. Donc je fais du sport, je fais partie d'un club d'ultimate frisbee, je suis entraîneur là-bas, donc j'invite tous les gens qui sont intéressés à venir tester l'occasion, parce qu'on est toujours en recherche de licenciés. On a essayé de mettre en place régulièrement avec les collègues. Tous les mardis, on va manger, on commande au burger de papa, puis on mange tous dans une salle de réunion. C'est quelque chose qui est régulier, mais c'est sympa parce que ça nous permet de partager un peu plus. On parle pas de boulot, on parle plutôt de nous, et ça nous fait sortir un peu du train-train de la semaine, quoi. Globalement, moi je suis très content d'être arrivé ici. C'est la première fois que je travaille dans une entreprise qui est aussi grosse, qui compte autant d'employés du moins. Et je suis très content de l'ambiance qu'il y a là, globalement. Enfin, je m'entends bien avec tout le monde et je suis très content qu'ils m'aient accueilli comme ça. Donc je leur dis merci et j'espère que ça va continuer.